harmonie et non pas cacophonie? Le rythme n'a-t-il pas laissé place au chaos? Répondre à ces questions, proposer quelques clés, c'est montrer ce qui nous fait aimer cette musique et vous la faire aimer. Une des impressions les plus inconfortables que l'auditeur éprouve lorsqu'il entend de la musique contemporaine, c'est de n'avoir aucun sens de la direction, de se promener sans fin dans un labyrinthe sans apercevoir une issue. Tout semble échapper à son écoute et à sa sensibilité. Alors que, lorsqu'il entend des œuvres familières, il éprouve une sensation de bien-être. Selon l'expression consacrée, il peut suivre. Avec le romantisme et l'individualisme qu'il a introduit, l'acceptation des règles et des codes n'allait plus de soi. Exceptions et déviations se sont multipliées à tel point qu'il est bien difficile quelquefois de reconnaître le schéma d'origine. C'est ainsi que, peu à peu, les compositeurs ont abandonné ce genre de schéma. La nécessité s'est imposée d'aller à la recherche de formes nouvelles. Elles exigent une audition plus active. Si le parcours n'est pas balisé d'une façon aussi évidente qu'auparavant, c'est nous-mêmes, en tant qu'auditeurs, qui devons découvrir les repères personnels du compositeur en nous familiarisant progressivement avec eux. Pour montrer comment se traduit la sensibilité actuelle dans la forme contemporaine, j'ai pris deux exemples. En contrefort même. L'un, le Pierrot lunaire de Schoenberg, basé sur un texte poétique confié à la voix, tenant donc compte de la forme littéraire de ce texte. Voilà, c'est ça. Et c'est plus facile à faire. L'autre, mon propre éclat, où la forme, utilisant uniquement des instruments, met en œuvre la variabilité à l'intérieur même de ses composantes, y introduisant des éléments d'improvisation, d'indétermination. J'attends que la résonance soit suffisamment affaiblie et je la prolonge. Et là-dessus, je vais faire donner les autres instruments. J'entends simplement cette résonance qui se transforme. Je suis. Je peux toujours écouter la résonance. Et je donne un troisième signe. Dans le Pierrot lunaire, recueil de 21 pièces très courtes, chacune d'entre elles a son propre schéma, son déroulement original, et cela en dépit du fait
que la poésie obéisse, au contraire, à une forme versifiée unique, où la répétition de certains vers joue comme un refrain. Il y a variabilité d'une pièce à l'autre, mais chacune d'entre elles est, à l'intérieur de son cadre, tout à fait déterminée. Il n'y a qu'un seul déroulement possible. Le Pierrot Lunaire est une œuvre théâtrale. Elle appartient à un genre théâtral mineur, certes, intime, qui est le cabaret. Et cela se reflète immédiatement dans le groupe musical. Vous avez une diseuse, comme on disait en allemand à l'époque, qui en effet dit le texte poétique sur lequel Schoenberg a écrit son œuvre. Et d'autre part, vous avez un groupe instrumental qui est comme un décor qui bouge naturellement, qui est expressif, mais il y a vraiment deux plans sonores. Et ces deux plans sonores se reflètent jusque dans l'écriture. En effet, les instruments sont notés d'une façon traditionnelle, tandis que la voix est dans un système que Schoenberg appelait lui-même le Sprechgesang en allemand, ce qui veut dire chanter-parler. Finstre schwarze Riesenfalter töteten der Sonne Glanz. Ein geschlossenes Auge. Aussi régulier. C'est pas ça non plus. C'est presque pour vous, on l'entend, mais c'est presque seul. Verschwiegen. On entend presque le N surtout. Et tous les airs spécialement. Riesenfalter, töteten der Sonnenglanz. Et puis, attendez, il y a une autre chose qu'on comprend très bien, c'est geschlossenes Z. Et il a une préface où il dit qu'il ne faut pas vraiment chanter, mais plutôt dire d'une façon précise, mais plutôt dire le texte, que l'expression du texte sera beaucoup mieux saisie si le texte est parlé. Mais je voudrais arriver à la forme de ces pièces. Elles sont toutes construites, au nombre de 21, sur des textes poétiques qui sont divisés tous également en 3 strophes. Et les 2 vers de la première strophe correspondent aux 2 derniers vers de la 2e strophe, et le dernier vers de la 3e strophe est répété des 2 autres. Finstre schwarze Riesenfalter töteten der Sonne Glanz. Ein geschlossenes Zauberbuch ruht der C'est étonnant de voir que Schoenberg conçut pour chacune de ses pièces une forme spéciale. Et nous allons en voir un exemple avec la pièce numéro 2 intitulée Colombine. Elle utilise une formation qui la divise en 2 pratiquement. La première partie de la pièce est écrite pour violon et piano, à quoi viennent s'adjoindre par la suite la flûte et la clarinette. Et nous allons voir que cela correspond très exactement aux 3 strophes. Les 2 premières strophes sont écrites pour piano et violon, et la 3e strophe, dans sa première moitié, est confiée au violon solo, et tout l'ensemble, c'est-à-dire flûte, clarinette, violon et piano, joue pour
pour la deuxième moitié de la troisième strophe. Mais il n'y a pas seulement un désir, disons, de souligner la forme, il y a aussi l'expression de ces vers répétés qui change à chaque fois. Et j'aimerais vous faire entendre ces trois expressions. La première fois que les vers sont énoncés, c'est donc le violon et le piano qui jouent, et le violon énonce une mélodie, alors que la voix, dans le registre aigu, signifie l'émerveillement que veut exprimer le texte, d'une façon extérieure. Nous jouons de la mesure 1 à la mesure 6. La deuxième fois que ces mêmes vers interviennent, ils sont dits par la voix dans le grave, au contraire, d'une façon beaucoup plus introvertie, intérieure, avec une toute autre expression, comme vous allez voir, alors que la première était toute dirigée vers l'extérieur, la seconde est, au contraire, extrêmement expressive, mais tournée vers l'intérieur. Et cela correspond dans la musique, toujours avec le violon et le piano seulement, cela correspond à une espèce de fixation de la musique. Il y a une sorte de cadence qui arrive, et la musique est en quelque sorte figée. Je voudrais prendre la mesure 21, s'il vous plaît, de 21 à 28. Lorsque le vers revient pour la troisième fois, alors les autres instruments s'adjoignent et ils font une sorte de rythme régulier et la diction du vers est à ce moment-là très, terriblement nostalgique, c'est-à-dire lointaine, par rapport à un rythme régulier indifférent. Et c'est la troisième expression, le changement d'expression musicale, exactement sur le même vers poétique. Je voudrais donner un autre exemple de la forme dans ces pièces de Schoenberg, et il s'agit de la pièce intitulée Nacht, nuit, en allemand, qui est une pièce très expressive, une pièce qui décrit une sorte d'hallucination. Et la couleur choisie est très sombre, car comme pour chaque pièce de cette œuvre, la formation instrumentale diffère. Et celle-ci est écrite pour violoncelle, clarinette basse et piano. C'est-à-dire des instruments essentiellement graves. Mais sous le titre expressif de cette pièce, on voit entre parenthèses écrit « passacaille ». Et le mot « passacaille » indique au contraire une technique très académique qui a été utilisée pendant des siècles. Qu'est-ce qu'une passacaille ? Eh bien, c'est une phrase que l'on répète sans discontinuer et de la même façon, mais au-dessus de cette phrase, ou bien on inscrit des variations, ou bien on inscrit une polyphonie, et en somme, c'est une forme très libre, avec des contraintes d'écriture. Et c'est ainsi que Schoenberg l'a entendu. Mais son thème de passacaille est très court. Il comporte trois notes seulement, et il est exposé depuis le début. La première partie de cette pièce, qui est en trois parties, est constituée par l'exposé de ces trois notes, puis un développement instrumental, qui est toujours basé sur ces trois notes, mais la voix, elle, comme je l'ai dit, est différente des instruments, et donc elle poursuit son parcours d'une façon plus ou moins indépendante,
Mais elle termine par un mot très important, isolé, qui est le mot en allemand verschwiegen, qui a trois syllabes, et donc qui correspond exactement aux trois notes. Et ainsi, on a ces trois notes isolées que l'on entend très bien et qui signalent la fin de la première partie. Schwarze Riesenfalter tüpteten der Sonne Glanz. Ein geschlossenes Zauberbuch ruht der Horizont J'ai donné comme exemple deux pièces dont la forme suit pas à pas la forme du texte poétique. Je voudrais montrer un troisième exemple où le texte poétique n'est pas pris en compte complètement dans sa forme, tout au moins, par le texte musical. Il s'agit de la pièce intitulée « Der Mondfleck », c'est-à-dire « Tache de lune ». Et là, on a trois plans sonores très différents. Naturellement, il y a la voix, qui se détache toujours et qui se détache plus particulièrement ici que dans certaines autres pièces, vu la texture des instruments. Et il y a trois plans aux instruments. Le plan principal est fait par le piccolo et la clarinette. Vous allez entendre une ou deux mesures de ces figures. Ces figures sont rythmiquement différenciées. Là-dessus, le piano fait un second plan qui est comme un écho de la flûte et de la clarinette, mais où toutes les valeurs sont égalisées. En quelque sorte, c'est une ombre de ces deux autres instruments. Il y a maintenant un troisième plan qui est celui des instruments à cordes. Alors eux sont beaucoup plus agités rythmiquement, mais ils paraissent plus lents en quelque sorte parce que leurs notes sont d'une valeur plus longue. Et maintenant la voix va se détacher. D'une façon indépendante, elle n'a rien à voir pratiquement avec les figures qui sont faites par tous les instruments. Et c'est ainsi qu'on a vraiment un décor à plusieurs plans et une voix au premier plan. Tout dit. Einen weißen Fleck des hellen Mondes auf dem Rücken eine schwarze Rose so verwirrt Thank you.
Tube auf die Menschenherzen nieder. Finstre schwarze Wiesen schalten. Einen weißen Fleck des hellen Mondes auf dem Rücken seines schwarzen Brotes. So verdient hier nun die Blaufahrt. Aussieger wie mit Abenteuer. Helle Sitz stellt ihn fast auf seinem Anzug. Er bezieht sich wenigstens, findet glücklich einen weißen Fleck des hellen Mondes auf dem Rücken seines schwarzen Brotes. Cette unique possibilité de déroulement qu'on trouve dans le Pierrot Lunaire a pu même paraître trop rigide à certains compositeurs. Ils ont voulu introduire dans la forme une certaine flexibilité, une mobilité de l'instant. C'est le cas en particulier de mon œuvre Éclat. Depuis l'abandon des formes classiques, sûres, reconnues, depuis que chaque compositeur a plus ou moins choisi sa forme individuelle, l'auditeur s'est plaint bien souvent de ne pas pouvoir suivre, que les choses sont trop complexes. Et pourtant, ce n'est pas la variabilité de chaque forme qui fait que c'est plus difficile à suivre. C'est simplement qu'elle est plus complexe. Mais il y a des œuvres où la forme, quoique nouvelle, individuelle, est beaucoup plus facile à suivre. L'ensemble est composé de deux groupes tout à fait distincts. L'un, placé immédiatement devant moi, comporte uniquement des instruments résonnants. Le son frappé résonne et meurt suivant une courbe plus ou moins longue. Vous voyez successivement Celesta et piano, vibraphone et cymbalum, mandoline, guitare et harpe et, un peu en retrait, le jeu de cloche et le glockenspiel. À l'arrière-plan se situe le second groupe composé des trois familles habituelles, deux bois, deux cordes, deux cuivres. Il s'agit d'instruments à son entretenu par l'archet pour les cordes, entretenu par le souffle pour les vents. C'est cette opposition des deux groupes qui m'a servi à former la pièce que vous allez entendre. Et d'abord, je vous dirais qu'elle est encadrée, cette pièce. Elle est encadrée par un début et une fin. Et ce début, c'est une cadence qui est jouée au piano et où les instruments qui ont des sons entretenus font un seul accord de soutien. C'est cette cadence que vous allez entendre. La cadence de piano que vous avez entendue est donc la cadence d'introduction à la pièce. Et maintenant, il y a une autre cadence qui correspond à cette cadence de piano, qui est faite alors par le groupe des instruments soutenus, auxquels se mêlent les instruments résonnants, mais seulement comme un élément de résonance, la partie principale étant bien dévolue aux instruments soutenus.
À cette cadence s'ajoute une toute petite conclusion qui rappelle le passage central. C'est donc le cadre dans lequel va s'insérer la pièce elle-même. Et cette pièce n'utilise pas du tout les instruments à son soutenu, elle va utiliser uniquement le groupe, c'est pour ça qu'il est placé au premier plan, les instruments résonnants. La pièce elle-même se compose de trois parties. La première et la troisième partie ont un profil similaire. Et la deuxième partie, au contraire, est un noyau. Donc cette pièce, comme vous voyez, n'est pas exactement symétrique, mais elle est en tout cas centrée autour d'un noyau. La première et la troisième partie utilisent des figures en général rapides et qui sont dérivées quelquefois les unes des autres en cascade. Je voudrais vous faire entendre lentement un exemple pour que vous entendiez cette dérivation des figures les unes par rapport aux autres. Le son premier et maintenant toutes les autres figures. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et maintenant avec le contraire, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et encore une autre figure isolée. Les résonances peuvent être ou bien entretenues, mais alors à ce moment-là, il faut jouer quelque chose. Ce n'est pas seulement un son. Mais pour entretenir, ou bien il faut faire un trémolo, c'est-à-dire une note répétée très vite, ou bien faire un tri, c'est-à-dire faire une alternance de deux notes très rapides. Et comme cela, on maintient le son d'un instrument résonnant. Il faut donc écrire quelque chose pour cela. Et puis, il y a une autre façon, naturellement, c'est de laisser les sons résonner et de les entendre, tout simplement parce qu'ils ont une vie, après que vous leur avez donné naissance, ils ont leur vie propre et c'est cela que vous entendez. Par contraste, la partie centrale est basé uniquement sur des accords isolés. Et au début de cette partie centrale, les accords isolés sont secs, très brefs, courts. Vous allez entendre, en effet, tous ces accords courts, et à la fin de cette mesure, il y a un seul accord, une seule note même, qui résonne. À la fin de cette deuxième partie, je vais vous donner un autre exemple qui est l'exact inverse de celui que vous venez d'entendre. Il y a une note courte au début et toutes les autres notes vont être résonantes. Ainsi, on aura conscience de la forme de cette seconde partie par un retournement de situation. D'abord, les notes courtes prévalent et il y a une note longue et à la fin, c'est une note courte et au contraire, toutes les autres notes longues.
Voilà la forme définie, une forme qui est tout à fait fixée, non pas rigide, mais fixée dans son cadre. Alors qu'est-ce qui peut la rendre différente? Eh bien, c'est ce qui se passe à l'intérieur. Et à l'intérieur, il y a une flexibilité et une variabilité. Et je me sers des objets musicaux, et je les dirige, comme si je manœuvrais une sculpture mobile. Je vais vous donner un exemple de cela. Quand la harpe commence à jouer, elle a 8 notes à jouer, qui sont inscrites sur un parcours circulaire. Elle peut commencer à un moment du parcours ou à un autre, et elle complète le cercle. C'est mon premier objet musical. Elle est comme une petite horloge, car elle joue d'une façon régulière, qui mesure le temps que vont occuper les autres instruments. Vous voyez, ici, elle a terminé dans l'aigu, et maintenant, elle va reprendre un autre ordre, mais ça sera toujours ce même petit type d'horloge comme nous avons. Et maintenant, que font les autres instruments, les 4 autres instruments qui jouent? Eh bien, ils ont un signe de ma part. Et ce signe leur indique aussi où je commence. Ils ont simplement 4 notes à jouer, ou 4 accords à jouer. Et la succession de ces accords indique une densité. Il y a un instrument qui joue 2, 3, 4. Si bien que je peux commencer à n'importe quel moment et tourner, j'aurai toujours une courbe qui sera dessinée. C'est-à-dire, je pourrais avoir 4, 3, 2, 1, très simplement. Ou bien je peux avoir 3, 4, 1, 2, c'est-à-dire une courbe un peu plus souple. Et c'est cela que je vais vous faire entendre maintenant. Voilà un ordre le plus simple qui soit. C'est la progression normale de 1 à 4. Et maintenant, vous allez entendre une courbe qui est non pas beaucoup plus compliquée, mais qui décrit, par exemple, 2, 3, 4, 1. Et maintenant, si je superpose ces 2 objets musicaux qui peuvent tourner différemment, j'obtiens des résultats naturellement différents les uns des autres. Très proches, parce qu'ils s'inscrivent dans un même domaine qui est étroitement limité. Toutes les notes sont écrites, mais chaque fois, je peux jouer avec cet objet qui tourne sur lui-même. Tout le monde. La notation peut laisser une grande marge de liberté. Tout est écrit avec exactitude, mais l'interprète choisit telle ou telle donnée. C'est ainsi que, dans la deuxième partie de la pièce, c'est-à-dire la partie centrale, les instrumentistes travaillent d'abord, comme je vais le faire maintenant, les notes qui, elles, doivent être jouées comme elles sont écrites. Après, qu'est-ce que je fais? J'ajoute les dynamiques. Et là, vous me verrez faire un geste qui signifie qu'il y a 2 possibilités. Des dynamiques qui sont écrites en haut, c'est-à-dire en haut sur la partition, et d'autres qui sont écrites en bas. Suivant que je fais ce signe ou non, on joue la dynamique qui correspond à ce signe. Et enfin, on ajoute la durée et la vitesse qui va être variable suivant ce que je veux obtenir.
C'est-à-dire que la musique est écrite comme sur un support extensible et que je peux distendre le temps ou le réduire à volonté. Si l'on voulait d'ailleurs caractériser d'un seul mot l'évolution de la forme, on pourrait dire qu'elle s'est relativisée. Partie de schémas contraignants et parfois rigides, elle en est arrivée à une liberté de choix qui gouverne non seulement l'ensemble des éléments, mais parfois l'existence des éléments eux-mêmes. Croit-on pour cela qu'il est plus facile d'œuvrer en toute liberté? Comme pour l'auditeur auquel il s'adresse, il faut au compositeur une trajectoire convenablement balisée. Chaque œuvre, étant donné ce qu'elle veut dire et comment elle veut le dire, doit créer ses propres lois de parcours. La forme n'est pas, comme on le croit trop souvent, affaire de théorie et d'abstraction. Elle est au contraire le moyen de communication le plus direct et le plus persuasif du compositeur à l'auditeur.
Descubra el espectáculo de la imaginación en el Noticiario Cultural 930, conducido por Miriam Moscona y José Gordon. Al finalizar, la extraordinaria película Stalker, del cineasta Andrei Tarkovsky.